Eh bien, salut mes petits smarbifs et bienvenue sur l'épisode 3 de Oxygen Not Included, Update Automation, si, Automation, ouais, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. En tout cas, la mise à jour de l'optimisation. Donc, c'est l'épisode 3 de la deuxième saison de la chaîne. J'avais commencé à tourner l'épisode, mais j'ai eu un petit fail. Du coup, bah, j'ai repris la sauvegarde sur laquelle on s'était quitté pour reprendre correctement avec vous. À côté de ça, donc, je vais recommencer un petit peu ce que j'avais commencé à faire avant de revenir en arrière, c'est-à-dire mettre ceci ici, aussi, non, non, hop, le prendre et on va plutôt mettre ceci ici, voilà. Et en fait ici je vais retirer tout ça parce que je vais pas tarder à avoir les tables. Alors les tables, si je les ai, qu'est-ce que je voulais faire? C'était ça que j'avais commencé à faire. Là, on démolit, on démolit. En fait on va tout démolir. Tac. Voilà. Ça ira plus vite. Là, le câble, on va le faire passer comme ça. Et merde. Hop, 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 hop. Voilà, donc les batteries là ça va. À côté de ça, nous on va faire ça. Je ferme ici. Ici on fera une autre entrée avec des coffres. Donc jusqu'à là tout va bien. Là on va garder peut-être ça, je pense. Là ils vont dormir. J'avais mis aussi un truc ici, on va faire le plus rapidement possible pour les piles de nourriture décomposées. Ça, on va leur demander de faire ça en attendant d'avoir ici. Là, pareil, on va fermer ici aussi. On va de creuser ici. Hop. Donc, faites un peu tout ça. Je vais ouvrir au chat. Merci le chat de toujours venir me déranger en pleine vidéo. Donc ici je voulais faire un sas. Donc on va le refaire. On va faire ça. On va même prendre ça et ici. Creuser ça. Voilà, je voulais creuser ici. Récupérer le cuivre qui est ici et fermer tranquillement. Ensuite, donc là ça avance, là on refuse pour l'instant. Pour l'instant j'ai pas assez de nourriture. Ça va commencer à aller mieux quand j'aurai fini ça. Là on va mettre une petite priorité 6 pour ici. Là on va faire en auto harvest. Là on va déraciner. Et puis du coup ils vont récupérer ça. Ok, comme ça ils vont construire ça tranquillou. Là, pareil, priorité 7, je veux bien que quelqu'un s'en occupe, s'il vous plaît. Hop, hop. On va attendre qu'il finisse ça, après on le passera là-dessus. Là-dessus. Et aussi là-dessus. Alors là, du coup, organique, terre polluée. Pour l'instant, j'ai pas encore découvert la nourriture pourrite. Ça, on le fera plus tard. Ici, je veux bien que vous creusiez jusqu'à là. Voilà. Tac. Le chat, tu viens de rentrer. Tu vas quand même casser les couilles pour ressortir. Ça. Bah, ils ont creusé là. En soi, c'est peut-être pas important tout de suite. Mais, donc ça, ouais, c'est bon. Il transporte. Les poux, on en a quelques-uns. On a juste assez pour un, je pense. Donc voilà, ils vont en faire un. Après ça, ça va commencer à produire, ce qui va être bien. Encore le chat qui se met dans le sac plastique. Hop.
Après, il va falloir que je leur dise de s'occuper aussi d'ici. C'était ça aussi, à ce niveau-là, que je voulais baisser d'un cran. Enfin, de deux crans même. Pour arriver à ce niveau-là. Là, il faut que j'annule. Je dise de creuser tout ça. Hop. Que je dise de creuser aussi tout ça là. Parce que je vais venir le faire en priorité. Tac. Ça aussi pareil. Activer récolte automatique. Activer récolte automatique. Hop. Donc là ils ont récupéré tout ça, ce qui est très très bien. Là ils sont en train de crafter ici, ce qui est très bien aussi. Ils craftent un peu tout. On est bien. Niveau tâche, lui il fait la cuisine, mais il faut pas qu'il fasse ce compost. Ça on s'en fout pour l'instant. Tu construis pas, tu creuses pas, tu t'occupes de livrer tout ça. Un qui est doué pour creuser tout. Elle a été en recherche. Donc toi tu recherches pas, tu cuisines pas, tu fais pas le compost, tu récoltes pas, elle non plus, tu récoltes pas, et donc j'étais à lui, tu ramasses pas et tu livres pas. Voilà, on va faire ça tranquille, il va creuser, construire, nettoyer, ouais, maintenance, si, réparer, oui, désinfecte, oui, énergie, non, voilà. On va faire comme ça, je pense. Ce qui est pas mal. Voilà, nourriture détériorée. Ça, je le savais parce que quand j'avais commencé la partie, enfin quand j'avais commencé à record tout à l'heure, ben du coup c'était, ça avait fait la même chose. Donc pour ça que j'ai prévu le coup. Ici, venez le faire parce que là, j'allais dire là, la nourriture va devenir pourrite. Et au même moment, ça s'est passé. Donc là, normalement, on commence à avoir pas mal de poules, donc on va le mettre en continu, il a 8 kilos, 800 calories, c'est pas mal. Donc là, il continue, ça, ils m'ont fait. Là, ils construisent ça, donc copier les paramètres. Ah oui, fallait que je mette ingrédients, copier, et hop. Lui est narcoleptique, hein, donc c'est le petit problème de ce personnage là, il s'endort n'importe où. Narcoleptique, fibre de roseau, va falloir aller me le récolter. Ah non, c'est pas ce qu'il va faire, non, j'ai rien dit. J'ai cru qu'il allait me le faire, mais pas du tout. Ici, on va aller explorer là-haut. Pour voir ce qu'il y a, si on trouve un geyser, parce que ce serait pas mal. Ici c'est pareil, je voulais descendre genre par là, pas trop non plus, pour pas atteindre les endroits infectés. Alors je sais pas du tout si ça se répand les endroits infectés. J'ai pas l'impression, mais on ne sait jamais. Tac tac, donc ça va falloir venir le crafter assez rapidement. Non, lui c'est pas. Allez, la diarrhée. Ah, vous allez construire ça plus rapidement. Oui. Ça, tac. Et ça, priorité 9, comme celui-là. Voilà, vous allez faire ça correctement, s'il vous plaît. Ici. Voilà, c'était ici aussi que je voulais me charger. Faire la salle à manger. Donc 3 de haut, ça suffit parce que du coup, les tables prennent que un carré. Et du coup, on peut facilement mettre des tableaux au-dessus. Donc là, je pourrais en mettre 3. Lui, il est pas relié. Merde. Bon, j'ai pas de cuivre. Tant pis. Tac. Donc là, on continue à construire. Donc ça va nous faire explorer ce côté-là. Niveau boue, on est pas mal. Algues, on a 6 tonnes, on est pas mal non plus. On manque 2 cuivres, mais ça c'est pas grave. Ici j'en ai vraiment la masse. Et j'ai des minerais et tout ça à côté. Et en plus, c'est pas, y a pas de problème avec l'oxygène. Donc très bien. Venez me la ramasser, ça. S'il vous plaît.
Et ça, pareil, priorité 7. Par le fer. Hop. Priorité 7 pour celui-là. Tac. Donc tout va bien, là c'est bouché, il s'en occupe. Là normalement, voilà, c'est reconnu comme une salle médicale, c'est très bien. Voilà, là on va avoir masse nourriture, ce qui est très bien. On va peut-être pouvoir plus tard se prendre une autre chambre, c'est pour ça que j'ai essayé de baisser un peu le niveau d'ici, pour pouvoir essayer de crafter une chambre ici, ce qui pourrait être pas trop mal. 3, ça ferait arriver là, ça serait une chambre un petit peu plus petite. Mais tant pis, il n'y aura pas de tableau. Au pire, je séparerai pour pouvoir mettre des statues. Donc pourquoi pas. Ouais, normalement, ça, ça arrivera un cran encore en dessous. Ça devrait le faire. Le chat, tu restes là. T'attends que je finisse ma vidéo, bordel de cul. Oui, bah oui, bah réponds. Réponds, effronté. Tac. Du coup, ça, c'est très bien. Priorité 9 aussi ici, hein, on va faire en sorte qu'il se repose le mieux possible. Niveau germe, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal niveau germe. Niveau électricité, il court. Les petites belettes. Là c'est pareil, ça on va le relier dès que je pourrai. Pour l'instant je peux pas. Ok, ils prennent l'algue, ils la rangent, ils ramassent, ils livrent, ils ramassent, ils livrent, ils ramassent, ils livrent. Là, j'ai pas assez de matos pour fabriquer ça. Venez récolter ça, venez récolter ça. Priorité 6, 6. Enfin, priorité 6 aussi, là, pareil. Voilà. En soi, ça peut être pas mal. Donc là ils dorment tranquille, comme d'habitude ils font que ça. Le chat, je vais te buter, je vais te buter. T'arracher la tête, t'arracher la tête. Hop, ça on va le déraciner, hein, tant qu'à faire. Ici je ragrandirai plus tard, mais il me faut encore du roseau pour pouvoir prévoir plus tard. Comment dire? Même ça, même priorité 7. Priorité 7. Prévoir. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu ce que je voulais dire. Fait chier. RIP. RIP, RIP. Ah oui. Là, maintenant, je dois pouvoir relier ça. Et relier ça. Tendu, oui c'est tendu parce qu'il court, il court la petite belette, mais ça s'arrête jamais. Hop. Alors, à côté de ça, il me faudrait une autre personne. Bon, il dormira pas sur un lit pour l'instant, c'est pas grave. Respire par la bouche, cuisine, rustre. Ah, ils sont pas top top. Hein. Ils sont pas top top ceux-là. Lui, il peut pas construire, il a pas de culture. Il peut juste cuisiner, c'est tout. C'est un petit peu gênant quand même. Sans culture, donc ouais, sans culture. S'il peut faire des recherches sans culture, c'est juste qu'il s'en fout en fait des trucs autour de lui, enfin de la déco. Ouais. Tac, tac. Non, bah non. Rejeter tout, on prendra le prochain. On prendra le prochain passage. Hein. Là, il creuse, très bien. Ici, pareil. Il va falloir mettre une priorité 6 aussi. Pour tout ça. Et qu'ils viennent récolter ça. Voilà, qu'ils viennent récolter tout, parce qu'il y a ça aussi à mettre. Il y a tout. Il y a tout à mettre. Là, ils ont récupéré ça, c'est très bien. Ça va aller le chercher. Le phosphorite. Je sais plus à quoi ça sert la phosphorite. En tout cas là donc on a bien notre geyser de chlore qu'on exploitera pour justement éliminer les germes
des minerais, hein. Ces germes-là, donc là c'est l'immonshit, ça s'élimine justement grâce au chlore. Ah, donc soit vous avez à côté de vous, alors c'est ici on en a, voilà, la soude qui dégage du chlore justement, ça en dégage. Donc si vous voulez, vous faites une salle hermétique, vous mettez de la soude dans des boîtes, des stockages, et que ça va faire comme l'oxygène pollué là, l'oxygène pollué, si vous, enfin la terre polluée, si vous la mettez dans les stockages, ça va quand même balancer de l'oxygène pollué à intervalles réguliers. Et c'est pareil pour la soude, ça va faire exactement pareil. Donc vous la mettez dans une pièce fermée avec une pompe de gaz, et ça va vous permettre de récupérer du gaz. Mais bon, là j'ai du chlore, j'ai un geyser juste à côté, donc ça me sert à rien de faire cette technique, hein. Autant exploiter directement le geyser. C'est pareil à cette bestiole-là, elle crée de la vase. Je crois qu'elle utilise. Ouais, elle en crée pas mal. Crée pas mal de vases. Elle a 12 kilos de vases. Et en fait, elle respire quoi? Elle respire. Elle respire de l'oxygène pollué en plus. Ouais, c'est ça. Elle prend de l'oxygène pollué et elle crée de la vase. D'accord. Ce qui peut être très intéressant à convertir. En plus, je crois que la vase, ça met de l'eau polluée, si je dis pas de bêtises. Mais par contre, il faut la désinfecter parce que, voilà. Là, ici, elle va être infectée. Alors, ça va être gênant. Mais en soi, si on fait les choses correctement. Oh merde. On a des graines qui sont en intoxication alimentaire. Ça, c'est un petit peu gênant, mais c'est pas trop grave. 7, tac. Fabriquez-moi ça. Là, on explore. On a du chlore. Ces plantes-là, je crois qu'ils aiment le chlore. Ouais, il faut une atmosphère de chlore. Donc, on pourrait même faire. C'est quoi? C'est les lys des marais. On pourrait même faire une exploitation de lys des marais ici, grâce au chlore qui est dégagé par ça. Mais il va falloir d'abord faire les nanosuites et tout ça, enfin les nanosuites, les exosuites pour justement. Oula! Vite! Pour pouvoir y aller tranquillement, parce que sinon ça va gêner. Ok, donc elle mange tranquille. Là, on a fait du fertilisant. Priorité 7. Ok, tac. Putain, merde. Vas-y, faites ça parce que sinon tu peux pas sortir. C'est pour ça qu'elle pouvait plus sortir. Ok, c'est bon. Augmentation de compétences. Science augmentée à 4. Très bien. J'ai pas vu. Science. Recherche. Toi, tu fais de la cuisine, tu fais pas de recherche. Toi, t'es là, tu fais pas le compost, tu fais la science. Creuser et ça non plus. T'occupes de livrer, etc. C'est elle? Oui, c'est elle. Scientifique. Donc, on va la laisser faire ça. Énergie, oui. Sprinter, sprinter. Ouais, mais toi, ta cuisine aussi. Ça, le problème, c'est que ta cuisine. Donc ça va pour l'instant. Recherche terminée, pompe liquide, etc. Comment dire, le stress ça va. Jusqu'à là tout va bien. Là ça a exploré un petit peu, oui. On va même faire... non. On va me voir après pour aller par là. Pour aller aussi par là. Tac. Pareil ici. Hop. Merde. Tac. Tac. Comme ça, on va commencer à récolter tout ça. Ok.
Donc pour l'instant, ça c'est pas trop mal. On peut même faire tac comme ça, il monte deux carreaux de hauteur. Donc là, tout va bien. Tac, ils font de la bouffe. C'est très bien. Priorité 6, oui. Là, ils ont creusé par là. Est-ce que ça a découvert quelque chose? Vide. Ah merde, j'ai cru, j'ai vu de l'eau, j'ai cru que j'allais avoir de la chance de trouver un geyser. Tac. Est-ce que je peux en voir comme ça par là? Il n'y a pas de l'eau super chaude. Un endroit, non. Il y a le geyser là, le biome de glace qui est là, très bien. Et en plus, je crois que je peux y aller sans souci. Ça, c'est très bien aussi. À part l'oxygène pollué, enfin le chlore et tout ça, l'hydrogène qu'il y a ici aussi. Là, il y a quoi? Non, il n'y a rien. Là, peut-être pas ici, hein, on ne sait jamais. Mais il va falloir passer par l'eau. Ce qui est gênant en fait. À moins que j'arrive à... non, ça va être assez difficile de pouvoir pénétrer là-dedans. À moins que je bouche ici. Au pire des cas, je ferai ça. Je mettrai plein de briques pour boucher tranquillement. Hop. Là, ils récoltent tranquille. Ça, ils ont tout récolté. Du coup, on va s'occuper de faire ceci. Hop. Donc venez crafter ça. Voilà. Vous allez crafter ça gentiment, les gars. Ici, c'est pareil. On mettra quelque chose à ce niveau-là. Donc tranquillement. L'oxylite, ça va se consommer toute seule. Là, on va creuser. Ça va nous faire découvrir un peu là. En soi, le biome de glace qui est par là, va falloir y aller. Et le problème, c'est que là, j'ai pas mal de grandes cavités et ça va être gênant pour y aller. Et là, à mon avis, ouais. À mon avis, j'allais dire, on va pouvoir. Donc, on a les pompes, on a ça, donc on pourra faire de l'hydrogène, on va faire ça pour justement, comment dire, pouvoir avoir une meilleure déco pour diminuer le stress. En tout cas voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve pour le prochain, l'épisode 4, ou pour d'autres vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ciao.